Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va continuer les guidances donc pour novembre. Donc on va voir tout ça ensemble. J'ajoute qui gratte. Allez, on y va. Donc on va en prendre une au hasard. Je ne regarde pas. Donc là c'est quoi? C'est les Gémeaux. Donc, on va regarder pour les petits Gémeaux les messages que l'on nous transmet donc pour novembre. Allez. Ne veut pas sauter. Donc, on va faire comme ça. Allez. Hop, et je prends la carte du dessus. C'est prière. Donc, pour les Gémeaux, nous avons le message de la prière. Donc là, on te dit, prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre des signes et des messages que tu m'envoies. Donc peut-être que il y a des Gémeaux qui ne comprennent pas des messages ou des signes qu'on leur envoie et que tu demandes de l'aide pour comprendre les signes et les messages. Là, on te dit de leur faire confiance, de te faire confiance. Amen. D'accord? Allez, on y va. Pour les Gémeaux, novembre 2020. Donc là, les Gémeaux. On me parle. Alors attention, hein, je répète. Je vois les Gémeaux, mais je peux voir la famille à des Gémeaux. Je peux voir aussi des amis aux Gémeaux. Mais je peux voir aussi toutes les personnes qu'il y a autour de toi. Bon. Donc là, concernant les Gémeaux. On me parle des racines. Des racines familiales. Et concernant les racines familiales, on me parle d'enfants. Donc, des choses qui comptent pour le Gémeaux. Mais attention, quand je parle de racines familiales, donc il y a le Gémeaux, mais il peut y avoir aussi des amis à toi, ta famille, des choses comme ça, et tes enfants, ou bon. Mais, de manière générale, concernant tes racines, alors attention, ça peut être aussi dans ta petite enfance à toi. Il y a, dans ces racines, les enfants, quand on est petit, mais ça peut être toi, quand tu étais enfant, ça peut être aussi en tant qu'adulte. Toi, maintenant, mais ça peut être aussi par rapport à tes enfants. Mais quoi qu'il en soit, il y a des coups de pieu. Ça fait mal. D'accord? Ou ça a fait mal quand tu étais petit. Ça peut être aussi à venir ou dans le futur. Mais concernant les racines, les choses importantes et des enfants, des couples, moi, j'ai des coups de pieu. J'ai des trahisons, il peut y avoir aussi l'infidélité, ou il peut y avoir même eu des infidélités dans le passé pour toi, pour tes enfants, ça peut être tes enfants aussi qui t'ont fait subir des choses, mais bon,
Il y a 200. Parle des amis. Alors, des amis proches, qui comptent, c'est ça, c'est important. Ah bon, il y a des amis à toi, à tes enfants, à ta famille. Bon, je vois quand même des personnes assez entourées. D'accord? On parle de d'amis assez solaires, assez lumineux autour de vous. Toi, ta famille, tes amis. Tes enfants même. Bon. Donc là, on parle de ta famille, de toi, de ta vie sentimentale. Donc, il y a toi, il y a ta maison, il y a la maison de tes familles. J'essaye d'expliquer le mieux possible. Il y a ta famille, les maisons que toute ta famille a, les appartements, machin. Il y a toi aussi, hein, ta maison, voilà, ta famille, tout le monde. Il y a l'amour aussi, hein, l'amour de la famille, l'amour de ta famille, il y a ta famille et l'amour que a ta famille pour toi, inversement, mais il y a aussi eux, leur vie sentimentale, bon, des choses comme ça. Par rapport à tout ça, on parle qu'il faut avoir de la patience et de la tempérance pour tout le monde, hein. D'accord? De manière générale. J'ai des peurs. Alors, dans la famille, il doit y avoir dans ta famille des personnes qui ont peur, certaines peurs. Je vois des personnes renfermées, isolées, qui ont des peurs. Hein. Toi, je te vois aussi chez toi, avec tes peurs, par rapport à des choses familiales. Je vois aussi que tu as peur de l'amour, que tu étais renfermé complètement dans ta maison et avec ta famille, pour certains. On parle aussi, dans ta famille, il peut y avoir de la rivalité familiale, hein, de la jalousie, des choses comme ça. Dans ta famille, moi, je vois des personnes qui ont, sont pas fidèles. Il y a des triangulaires, des machines comme ça, dans ta famille ou des proches à toi. Toi, tu peux avoir un souci sentimental et connaître quelqu'un qui est avec une autre personne à l'heure actuelle. Ça peut être aussi que tu es célibataire, mais que tu vas rencontrer quelqu'un qui est en couple. Tu peux être aussi toi en couple. Mais sentimentalement, il y a de la rivalité et des triangulaires. Et on parle de patience et d'avoir de la tempérance. De toute façon, il y a des peurs. Il y a des peurs, des choses qu'on ne dit pas en famille. Il y en a certains, moi je vois qu'ils ont quelqu'un d'autre, mais ils ont peur de le dire. Je vois aussi certains Gémeaux, il y a une histoire de peur et où on a peur que la personne de ton cœur est quelqu'un d'autre. Et moi, pour moi, il y a quelqu'un d'autre dans ça. Voilà. Mais globalement, il y a ces peurs dans la maison, dans la famille. Il y a des histoires de triangulaire et d'amour. Et je vois beaucoup de colère avec les peurs que l'on a dans la famille, sentimentalement. Toutes ces peurs, rivalité, déjà familiale, sentimentalement. Déjà, moi, dans la famille, je vois qu'il y en a, ils ont quelqu'un d'autre. Ils peuvent être en couple, mais il y a quelqu'un d'autre. Et puis, moi, je vois des Gémeaux où il y a une histoire, quelque chose qui va pas. On a peur que quelqu'un soit en couple avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est le cas. Donc, à un moment donné, il va falloir, de toute façon, faire des choix. Que ça soit ta famille, je vois qu'ils ont beaucoup de patience, il y a beaucoup de patience familiale, beaucoup de tempérance vis-à-vis de quelqu'un qui a beaucoup de peur. Peur de l'amour, peur que la personne que tu aimes soit en couple. Mais je vois des choses comme ça, hein. Il y a vraiment cette colère dans une famille. Et de toute façon, il y aura des décisions.
Le problème, c'est que vous devez prendre des décisions, autant familiales que sentimentales, même si tu as peur. Hein. Parce que y a trop, on n'arrive pas. Il y a l'esprit, quelqu'un qui a un esprit trop, ça cogite, on sait pas où on va. Il y a de la colère, on a des peurs, on s'est complètement renfermé sur la famille, sentimentalement, et la famille a beaucoup de patience face à quelqu'un, quoi. Hein? Bon. Donc forcément, il y a quelqu'un qui a peur de l'amour, qui attend quelqu'un, voilà, des choses comme ça. Il y a la rivalité, il y a de la colère à prendre des décisions. Hein. Ça peut être aussi de la famille qui est en colère hein, de voir que quelqu'un ne fait rien de sa vie. Mais je vois quelqu'un qui a l'esprit confus, embrouillé, d'aller aussi sur de la nouveauté et ou de faire une autre rencontre ou de se mettre avec quelqu'un qu'on connaît. Y a beaucoup de négativité à aller sur autre chose, quoi. Y a l'esprit négatif, on veut pas aller sur autre chose, et on y pense, et on attend peut-être aussi une décision de quelqu'un. Les blessures, beaucoup de négativité dans le cœur de quelqu'un, il a pu avoir ou il peut y avoir des injures. C'est très compliqué pour moi. Très compliqué. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui a énormément de patience hein, dans la famille, hein, franchement, hein, dans la famille de quelqu'un qui a beaucoup de patience sentimentalement. Hein. C'est comme si on attendait des nouvelles. Voilà. La patience par rapport à des nouvelles pour avoir une stabilité sentimentale. D'accord? D'accord, il y a quelqu'un, on parle de stabilité, comme si on attendait les nouvelles. On a beaucoup de patience et de tempérance par rapport à ça. Comme si on attendait d'être délivré, de guérir par rapport à des nouvelles. Hein. Et là, en plus, ben, par rapport à ça, on parle qu'il faut beaucoup de patience, de tempérance pour pouvoir se délivrer et guérir. Parce qu'en plus, il y a ces peurs, on est renfermé. Sentimentalement, on est trop isolé. À la maison ou avec de la famille, d'accord? Il y a ces peurs de se délivrer, de guérir de certaines choses. Il y a des peurs par rapport à des nouvelles, des choses comme ça. Donc là, on me parle d'une femme. Hein? On parle de cette femme de peur. Alors, soit c'est elle qui a peur, soit c'est un homme, mais c'est bloqué. Il y a l'enfermement, l'isolement. Hein. Cette femme, on me parle d'amour, rivalité, triangulaire. Hein. Et par rapport à cette rivalité vis-à-vis des peurs de cette situation, moi je vois quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, ou qui va avoir quelqu'un d'autre. Il est question d'arriver à se délivrer de ses peurs. Il y a une femme ou un homme qui a des peurs. Il y a une rivalité en amour. Il faut absolument sortir de ses peurs, se délivrer par rapport à cette situation. Se délivrer. Voyez ce que je veux dire? Y a quelqu'un qui est enfermé, qui ne se délivre pas de ce truc qui tourne en boucle. Pour les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui veut... Qui veut un bonheur avec quelqu'un qui n'est pas libre, en fait. Voilà. Je vois quelqu'un qui est très en colère. D'ailleurs, cette femme, j'ai l'impression qu'elle est très en colère. Hein. Très, très en colère. Hein. Parce que, elle, je la vois dans le bonheur. Elle est dans des bonnes énergies et ça la met très en colère. D'ailleurs, on me parle de décision et d'un bonheur dans sa vie. D'accord? Comme si on avait pris une décision, qu'on allait prendre une décision, ben on est en pause. Hop, on fait un break. Et par rapport à ça, moi je vois quelqu'un qui a l'esprit confus, qui ne sait plus où il ou elle en est. Mais je pense pas que c'est la femme, hein, parce qu'elle, je la vois dans le bonheur.
Moi, j'ai une femme qui s'est délivrée de ses peurs. Elle s'est délivrée, cette femme. D'accord? Elle, bon ben, je la vois sur des énergies plutôt positives. On parle d'une pause, un break. Je pense que elle n'a pas donné la vraie raison de cette pause, de choses comme ça. Elle est dans le silence. Pour moi, elle ne dit pas. Elle n'a pas dit. Elle réfléchit aussi par rapport à un autre homme, hein, et elle ne dit pas, d'accord? Et là, je vois quelqu'un par rapport à tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui reste dans le silence et qui ne comprend pas. Et qui réfléchit à pourquoi on n'a pas de nouvelles, pourquoi on est en pause, pourquoi ci, pourquoi ça. Parce qu'en plus, on parle d'un nouveau départ et de la mise en couple. Mais on reste dans le silence. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a des secrets. D'accord? Il y a quelqu'un qui est très négatif à la fidélité et la loyauté de quelqu'un. D'accord? Vraiment, il y a la négativité. D'accord? Et puis, il y a la négativité aussi à voir la personne. Ah ouais, on n'a pas envie de voir cette personne. Ah non, c'est même pas la peine que tu penses à te déplacer ou à faire un voyage. D'accord? Et là, ben, je vois la famille qui est là, qui essaye par rapport à un homme d'avoir une stabilité familiale, de comprendre la personne. Hein, bon. Lui, il comprend pas certaines choses, hein, pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi c'est éphémère. Il a l'impression, il espère une réconciliation avec elle, des choses comme ça. Il espère même recoucher avec elle, avoir un nouveau départ dans leur sexualité, hein, des choses comme ça, retrouver un équilibre avec elle. Bon, mais moi, franchement, j'ai l'impression que... Il y a quelqu'un qui a pris la décision d'aller sur quelque chose de plus positif. Ouais, moi, je vois cette femme en plein bonheur. Dans sa sexualité aussi. Hein. Elle a lâché prise. Elle a lâché prise. J'ai l'impression qu'elle avait quelqu'un d'autre. Elle a lâché prise. Elle a pris la décision. Et pour moi, je la vois aller sur quelque chose d'autre. Elle a lâché prise. Elle veut un équilibre. Mais lui, il attend. Lui, il attend un équilibre avec elle. Mais le problème, c'est qu'entre eux, ben, elle avance. Donc du coup, il y a quelqu'un, lui, il n'est pas en équilibre dans sa vie. Je le vois très perturbé. Il a pas mal de problèmes à lâcher prise et à aller sur autre chose. Il y a des choses très troubles entre eux. D'accord? Il n'y a pas de communication entre eux. Elle est très négative à lui parler. Elle le rejette totalement, cette femme. Et alors qu'il pense même pas à aller la voir. Ah non, c'est négatif, hein. C'est négatif, et pourtant, la famille, ben, voudrait, hein, qu'il soit heureux, qu'il ait du bonheur depuis une séparation. Mais lui, il n'arrive pas à comprendre que c'est fini, en fait, entre eux. Lui, il espère, il espère qu'elle revienne. D'accord? Ouais, il y a une séparation. Ça ne dure pas. Ouais, il espère d'ailleurs qu'ils vont pouvoir ben, se marier, machin, se réconcilier. Mais elle a quelqu'un d'autre. Hein. Et lui, pour l'instant, il est que dans son boulot, quoi. Hein, voilà, dans son travail, des choses comme ça. Et pourtant, il pourrait hein, faire d'autres rencontres. Il pourrait. S'engager avec quelqu'un, il pourrait, hein, il y a des attirances, des choses comme ça, mais il fait rien. Il fait rien. Et je sais pas, il y a quelqu'un, il y a vraiment ce truc dans la relation qui va pas. Ou il y a quelqu'un qui a fauté, mais il y a ce truc dans la relation long terme où trahison, infidélité. Ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Puis la famille est très très négative à lui. Hein. Alors là, très négative à lui. Hein. Et il pense vraiment que c'est mieux comme ça, hein, qu'il ne revienne pas et tout. Hein.
Ah ouais. Et lui, voilà. Hein. Il est seul. Il dit que la famille, ben, ça lui suffit, que ça va et tout. Mais bon, voilà. Alors, problème, moi, franchement, on peut hein, faire d'autres rencontres, mais ben, il y en a, ça ne dure pas. On attend quelqu'un d'autre, comme si on attendait que sa belle vienne te délivrer et te guérir. Mais ça n'arrivera pas. Donc moi, oui, hein. Je vois des rencontres qui arrivent, mais il faut aussi s'ouvrir, parce que si tu attends que elle revienne, elle ne reviendra pas. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit par rapport aux Gémeaux. Donc je te fais de gros gros bisous, Gémeaux, et je te dis à très vite. Bye bye.